Jonathan, un petit tour de petit paquet. Je sais que t'aimes bien ça, donc c'est pour ça que je te montre ça. Daldo Colombini. Donc t'as vu, ce sont des cartes qui sont tout à fait ordinaires, mais au niveau du dos, pas au niveau de la face. Alors je vais t'expliquer pourquoi ce ne sont pas des cartes truquées. Mais ce sont des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce ne sont pas des cartes à jouer, ce sont des cartes avec des dessins. Et en fait, notamment des mouches. Et c'est. Enfin, tu peux examiner. Et en fait, je vais te montrer ce qu'on va faire avec ça. C'est assez bizarre. Mais j'ai quatre mouches. Alors, je vais les laisser ici pour le moment. Et les autres, en fait, ce sont tout simplement que des cartes blanches. D'accord? Okay. Donc ces cartes blanches, je vais les laisser là pour le moment. Et je vais te montrer en fait les mouches que j'ai ici. Donc j'en ai quatre, tout simplement. Première, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord? Et suis bien, regarde bien. Ces quatre mouches, ok? Je vais les placer ici. Tu suis bien, tu retiens les mouches ici et ici les Carte blanche. cartes blanches. D'accord? Sur chaque mouche, je vais placer à chaque fois trois cartes. D'accord? Trois cartes blanches sur chaque mouche. Ok? Ok. Donc suis bien les quatre mouches et les cartes blanches. Première mouche avec les cartes blanches. Suis bien, attention. Si je mets une mouche à l'intérieur comme ça, des cartes blanches, si on attend un petit peu, on se rend compte que la mouche peut voyager. Regarde. Bzzz, tu l'as vu? Ben c'est vrai parce que j'ai vraiment mes quatre cartes, mais par contre, j'ai plus de mouche. Bizarre. Et en fait, elle a voyagé ici. Parce que si on regarde, j'ai toujours en fait mes quatre cartes, mais maintenant, j'ai une mouche, une carte blanche et une deuxième mouche. C'est fou. Par contre, si on attend un petit peu, on coupe. Regarde. Bzz, tu l'as vu passer? Ouais, elle passe par là-bas. Eh ouais, mais attends, le pire c'est que t'as la deuxième, regarde. Bzz. Et là maintenant, en fait, les mouches ont disparu. Et je te le prouve, hein, que des cartes blanches. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, là c'est pas possible qu'il y ait quand même trois mouches. Et ce qui est assez bizarre, c'est que bzz, on les voit passer ici, mais on les voit vraiment passer. Et j'ai maintenant, en fait, une carte blanche et trois mouches. Oui, je sais, c'est énervant. Hein. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand, si je coupe comme ça, tu vas les voir passer là. Bzz, bzz. Tu les as vu passer les trois? Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que c'est étonnant, c'est que j'ai toujours mes quatre cartes, mais blanches aussi, les mouches ont complètement voyagé. Vite. Oula. Je crois que j'ai vu une mouche qui est partie, mais j'ai dû taper un peu trop fort. Parce qu'en fait, j'ai mes quatre mouches, mais le fait d'avoir vraiment tapé fort, malheureusement, je les ai écrasées. Ouais, c'est dommage. C'est joli. Bizarre, hein? C'est énervant. Les mouches, c'est un très très beau tour de cartes. C'est vraiment 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 très très bluffant pour les gens et en plus c'est marrant. Voilà le tour des mouches d'Aldo Colombini.